20h-21h. Saïd Hamda et son équipe jouent les prolongations en direct et en Facebook Live chaque lundi. Est-ce qu'il vous a fallu du courage pour faire ce reportage? Est-ce qu'à des moments vous avez douté en se disant ouais là c'est chaud ou voilà? Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas? Vraiment une question de courage. Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que moi j'ai reçu des menaces, toi t'en as reçu. Et justement, j'allais te poser la question, parce que tu l'as dit sur OKLM, ils ont pas rebondi là-dessus, et moi je vais revenir. Bah, ouais. Les menaces, c'était quoi? C'était quoi? Nous on s'en occupe. On veut des noms. T'inquiète pas, on a une équipe. Non, c'est pas question de ça, mais si vous avez l'habitude où le téléphone il sonne pas et toute la nuit ça. Toute la nuit, en plus moi j'étais pas là parce qu'on était en montage et tout, toute la nuit j'ai ma femme et mes enfants, ça sonnait, on va le tuer ce nègre, c'est pas super. Donc t'as reçu ce genre de message? Ouais. Ah ouais, quand même. Et tu sais qui c'est? T'as porté plainte? Est-ce qu'il y a eu... Ou la street ne porte pas plainte peut-être? Non, c'est pas fini en octogone. C'est possible, hein. Parce que l'octogone est plus. Mais après, en plus, j'étais pas là. Et après, c'est simple, on a coupé le téléphone. Et depuis, il n'y a plus de téléphone à la maison. Sérieusement? Donc on en non, parce, à qu'on là. Parce qu'on préfère le portable de toute façon maintenant. Ouais. J'ai envie de dire, qui est-ce qui a un téléphone à la maison? Il n'est pas branché. Bravo. C'est tout le temps les problèmes. Non, mais c'est vrai. On l'utilise plus, mais quand on n'a pas l'habitude en fait d'entendre le téléphone tout le temps, et ça n'arrête pas, surtout la nuit, c'est un peu. Du coup, ça t'a remis en question sur le reportage. Est-ce que tu t'es dit finalement ça m'attire trop de problèmes, je lâche l'affaire? Je vais essayer de le trouver en fait. Oula. En fait, il y avait une image. En fait, ouais, il y avait une image quand j'étais allé à Gorée. Il y a quelques années, et j'avais pris la photo d'un truc qui est marquant. Vous pouvez parler, Marc va parler. On regarde tout ça. C'est le moment. Non, le temps que. Il voilà, pour si un petit quart d'heure. Non, ça non, va. Mais de toute façon, prends tout le temps dont tu as besoin. En fait, c'est quand on va à Gorée, c'est marqué des millions et des millions d'hommes et de femmes et d'enfants aujourd'hui disent non à la misère et à la honte, parce que des hommes hier traités en esclaves par les puissants. En leur cœur affirmé qu'ils étaient des hommes. Et nombreux sont morts pendant 3 siècles pour que jamais personne ne l'oublie. Donc en fait, je me disais que s'il y a personne qui. Si maintenant on ne prend pas le courage, s'il y a des gens avant nous qui ne l'avaient pas fait, on serait peut-être encore esclaves. C'est pour ça que j'y suis allé. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.